Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue dans une nouvelle vidéo fan game, un truc qui n'est plus jamais revenu sur la chaîne parce que les fan games en général quand j'en présente c'est parce que je les trouve intéressants, parce qu'ils reprennent un concept, parce que les choses amusantes tirées du jeu d'origine. Et là j'ai gardé un jeu Zelda parce que le titre avait l'air cool et ça devait faire plusieurs mois que je ne l'ai pas essayé. Et donc je me suis dit, eh bah tiens, on va tester ce jeu directement, on va le faire maintenant. On va voir ce que ça donne. Donc Zelda Afterworld est un jeu qui est disponible sur GameJolt, fameux site de jeu où vous pouvez trouver moult et moult, je dirais pas contrefaçon, mais fangames plus ou moins travaillés. C'est d'ailleurs là que j'aurais trouvé quelques bons, même très excellents. Et il y a déjà un problème pour moi, c'est que ce jeu, je vois qu'il a le syndrome Game Maker, quelque chose que je déteste. C'est le syndrome Game Maker, en fait, c'est ça, ça commence mal. Ça se trouve, ça va être bien, je ne dis pas, donc du coup, c'est un one shot, c'est une réaction à chaud. Je ne sais pas ce que ça a donné. Peut-être que je le serai bien. Sauf que là, le son est un peu fort dans mon oreille. Voilà. Alors, spacebar interact, arrow key, dash, escape, ok. Je m'appelle Link, oui. Je sais pas ce que ça a donné. J'espère que au moins, ça va être bien. Eh bonjour, toi. Traduction. Traducteur de l'extrême. S'il te plaît, assieds-toi, je vais te raconter une histoire. Laquelle veux-tu entendre? Oh, celle-ci. Alors, cependant, les musiques, très bien choisies. L'histoire que je m'apprête à te raconter est une histoire vraie. Ça s'est passé il y a longtemps. Es-tu prêt? Très bien, allons-y. Les gens disent qu'il y a longtemps, il y eut une guerre entre le royaume d'Hyrule. Dans le royaume d'Hyrule. Cette guerre... was running. C'était longue et ruinante, prenant tellement de vie. Ruinante, runes par ruine, je ne sais pas. Le peuple d'Hyrule a gagné cette guerre. À la joie. Mais du sang a coulé. Moins joie. Le résultat de cette guerre, le Evil One, ne revint pas. C'est pas une tête de Ganon qu'ils ont agrandi. Merci le pixel. Après la guerre, il y eut un nouveau Hyrule. Cette Hyrule était était un endroit de paix. Et tout semblait aller. Mais maintenant... La légende de Zelda après la guerre. La légende de Zelda qui se passe après la guerre, soit. Selon la langue de Jacques Cartier. Oui. Oui. Alors, ta maison. Link. Ah, Link. Oh waouh, c'est super moche. Ah, je pensais pas que t'étais levé. Dis-moi Link, je dois aller livrer ce cake au château. C'est un honneur, je suis fier de toi, mon fils. Très bien pour la nouvelle. Vas-y, et trouve-ril maintenant. D'accord, pépé. Alors, au secours, contrôle. Contrôle, alors, les flèches, spacebar. Ça, c'est le menu. Alors, je m'appelle Link, j'ai les rip, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'items, je suis pauvre. Je suis très pauvre. Je n'ai aucun. Mon équipement est... Ah, j'ai une... Alors, oui. Je n'ai pas précisé si c'est une démo.
a priori, il n'y a pas eu de version finie. Enfin, du moins, je n'en ai pas trouvé depuis à peu près 2014. C'est dommage. Eh, où vas-tu, Link ? Elle va trouver Reel. On est sur une traduction incroyable de qualité. L'endroit vert. Hey, Link, je suis sois sûr de sauvegarder quand tu en croiseras. Qu'est-ce que sauver ? Incroyable ! Moi, je suis juste un enfant. Je veux sauvegarder. Oui, youp. Je déteste le syndrome. Mais attention, je cours avec avec Mage. Enfin, les villages Garnil. Waouh, incroyable. Puis jure. Pourquoi Reel est-il parti maintenant? Oh Link, je suis sûr que Reel doit être un peu loin. Tu peux te dire qu'il revient ici après, s'il te plaît? Mais bien sûr, il est dans la forêt. Ah bah, go la forêt. Go the forest. C'est la forêt de l'Est. Pas trop de musique. Même pas de musique. Non, regardez, il y a un coffre. Wow. Avec un caillou. En tout cas, ah, si. On entend la musique. On entend une musique. Presse droite, bas, haut, gauche pour bouger les cailloux. Ok. Ah. Attends. Droite, bas. Non. Droite, bas, haut, gauche. C'est débile. Ouais. Ah, il faut maintenir espace. Ok. Faut faire direction et espace. Je trouvais un truc. Tu as trouvé 10 rubis dans ce coffre. Waouh. Moi, je me demande bien qui est le. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est marrant. Quand je fais sur l'espace près du caillou, il bouge un peu. C'est marrant. Ah, c'est drôle. Cinématique. Hey Link. Elle change pas de voix pour les personnages. Hein. Ah, tu dois lire le cake, n'est-ce pas? J'ai visité juste la tombe de ma maman. Oui. Je viens souvent ici quand je pourrais être seul avec elle. Ok. Bien, allons-y maintenant. Ah oui, que nous devons aller à la maison pour récupérer le gâteau. Eh ben, donne-moi le gâteau. Alors, bonjour Link, n'oublie pas que tu dois aller au château aujourd'hui. Voici le gâteau. Tu as le gâteau. Mais pas de presser est-ce pour t'équiper du gâteau. Ouais, la traduction est incroyable, n'est-ce pas? Et donc, j'ai Reel. Reel est pauvre. Il est plus pauvre que moi. Oh oui, attention, j'ai trouvé un truc là. Ah, c'est la maison de Nat. Ah, il y a un petit coffre. Petit coffre. J'ai trouvé. Oh, tu as trouvé des rubis. C'est awesome. Ok. Petit problème au niveau du sound design. Hein, très léger. Rien de bien grave, mais. Eh bien, nous devons aller dans le château. Château maintenant. Selon la carte, ça devrait être un petit peu. Quelque part au sud-ouest d'ici. Ah oui, on a vu Random Coureur aussi qui. Bah, Random Coureur. Ça doit être la ferme. Ah non, c'est le château. Allez, on y est. Regarde, allons, château Link. Bienvenue au château. Oh, regardez. Bonjour, nounou du village Garnil. Je m'appelle Reel, le fils du.
Ah, pâtissier boulanger qui prépare le gâteau de... qui a préparé le cake, le gâteau de la princesse Zelda. Je suis envoyé avec Link pour lui délivrer. Ah, merci beaucoup. Je suis heureux de vous avoir maintenant sur l'anniversaire de... allez, juste honneur pour aller au château. Allez, merci beaucoup. Ouais, il y a un petit problème de sound design. C'est le seul défaut actuellement. Sinon, là, je... En fait... J'ai une espèce de Reddit Zelda 64... C'est pas que c'est ennuyant, mais... Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez? Alors, on vient délivrer le gâteau au château. Alors, dépêchez-vous. Vite. Le château de Hyrule. Tu jures? Ah. La musique des... Alors pour l'instant on avait que des bonnes musiques qui étaient principalement Zelda 64. Là on a la musique du château de Zelda 3. Allons au château, ouais, il y a des gardes et tout. Ah, le gâteau, je vais l'amener directement à la cuisine. Mon dieu, ça fait ouf. Qu'est-ce que... Link, quelque chose ne va pas. Oui. D'équerre. Ah oui, d'équerre. Oh non, tout le monde est décédé. Vite. Je peux pas dasher, c'est triste. Alors, on sait pas ce qui s'est passé. Oh non, je... Vite, allons monter. Est-ce que c'est le seul chou? Restez ici, vous allez la blesser. Je ne veux pas la blesser. J'ai un plan. Papa. Dommage. Toi, qui es-tu? Je te préviens, garçon. Reste loin. Yes, yes, yes. Tu t'es caché. Le doublage était nul. Ah non, je fais pas une bonne femme. Link, s'il te plaît, sauve-moi. Oui. Je... Oui, peut-être. J'ai secrètement caché 3 gemmes... partout dans les rues, ensemble, elles pourront aller une boîte des 3 trésors pour le Master Sword, l'épée de maître. La première doit s'endormir dans les anciens bois. La seconde est cachée quelque part dans les caves sombres. Et la troisième est à l'intérieur d'un volcan en activité, sinon c'est pas drôle, MDR. J'ai cru en toi, Link. Le destin de Hyrule est sur tes épaules. Et tu es mineur. Évidemment, toi, tu n'es qu'un simple livreur de gâteaux. Sinon, c'est pas drôle. Donc, t'es réveillé? Mais qui suis-je? Mon nom est Impa. Je suis le garde du corps de la princesse. Link. C'est ton nom, n'est-ce pas? Bien, Link. Est-ce que tu as vu quelque chose apparaître? Le roi, il ne l'a pas fait. Zelda est la dernière de la lignée royale. Link, tu dois la sauver, même si tu es mineur et que tu étais là pour livrer un gâteau. Comment? Elle a utilisé ses pouvoirs magiques pour te parler. La forêt, ouais, l'ancien temple doit être quelque part là-bas. Link, je crois que tu peux sauver la princesse. J'aurais bien aimé, mais je suis effrayé car je me suis blessé à défendre la princesse Zelda. Vas-y, Link. Que la déesse soit avec toi. Ok, je prends le coffre. Ouais, j'ai une épée. Il y a des problèmes de sound design, c'est ouf. Eh bien, sois sûr que tu sois en équipé, sinon tu n'en auras aucune utilisation. D'accord. Pour le moment, ça va. Alors, je vais rester sur mon épée démo. Je vais rester sur l'épée de démo, hein. Voilà. Ok, très bien. Donc je dois aller dans ce sens. Bonjour, fiston, j'ai l'impression qu'il s'est passé ici. Incroyable, n'est-ce pas? Oui. Alors les blancs, par contre, ça détache un petit... Comment la princesse Zelda t'a envoyé en mission à la forêt? Elle savait que ce jour arriverait, évidemment, fiston. Tu devais avoir un homme maintenant, j'ai la foi en toi. Je serai toujours à la maison. Tu es non papa.
Tu es très long. Marche plus vite. Je peux me déplacer. Je peux me déplacer. Au secours. Au secours. Eh oh, merci. Incroyable. Pour l'instant, je trouve que ça va. J'attends juste de voir le système de combat. Quand le système de combat viendra, je dirais que c'est de la merde, par contre. Oui. Oui. Pardon, messieurs. Oui, bonjour, messieurs. Oui. Oh, vas-y. Et là, un problème de son design. Énorme. C'est même pire que... Eh là, y a un mec à poil. Je suis le traverseur vendeur. Ok. Prends un jour. Ah, t'as pas un point. Elle est où la forêt? Ouais, il fait jour. Non, non, je voulais pas aller là, obscur. Aidez-moi, vite. Alors. J'estime que la forêt est là. Oh putain, des moutons. Non. Alors j'explore, hein. Oh, une vache. Ah, la vache. Je m'extasie devant plein de choses et d'autres. Oh, c'est une vache aussi. C'est une vache. On sent que ça essaye de reprendre des trucs, hein. J'ai trouvé... Oui. Quoi, tout à fait. Oui. À la forêt. La forêt Kokiri. Ouais, où ça? Là-bas. On va dire que c'est là-bas. J'estime que c'est là-bas, mais en fait, c'était pas là. Ah si. Ah bah voilà, les Lost Wood. Ils sont partis. Ils sont juste partis. La forêt Kokiri. Tu vas pas passer par ici. Parce que je l'ai décidé. Comment? Tu veux une épée? Ok, tu peux y aller. Dans l'instant. Attaque! Un baby goma vous attaque. Oui, ben c'est exactement ce que je pensais en fait. Bon bah, attaque. Eh, hey, t'as jamais trouvé un goma avant? Utilise ton bouton attaque! Hein, l'attaque, la guerre, les items, bon, le même système que... Voilà, le système de Game Maker, je le déteste. Oh la vache, violence. Yeah, des rubis. C'est fermé. Je ne peux pas dasher, par contre, c'est chiant. Bon. C'était la maison du légendaire héros avant. Et si je vais dans la maison du légendaire héros avant, et ben je peux pas parce que... tant pis. La forêt Kokiri, et là je touche plus rien. Il se passe des trucs. Oh là là. C'est bien ça, petit. Je suis le grand arbre des culs. Je suis le gardien de la forêt Kokiri. Mais je suis malade. Enfin, griffed. Je suis pas Kozan. Mes enfants Kokiri sont partis à cause de la guerre. Ils n'y croient plus maintenant. Tu as envoyé mission à la princesse dans le temple. Oui, pour Rich. As-tu préparé? Prends ceci, ça va t'aider. Tu as la coquille medallion, this medallion has something engraved in the back. Right, left, left, up. C'est le Konami Code! Incroyable! Recette. Reconnaissant que la musique est sympathique. Et là par contre, je peux dasher. Bon, et ben, super. Eh les gommas, vous êtes des gommettes! Salut la vache!
La vache ne veut pas bouger. Merde. Oh, une cave. Ah oui. Des bois perdus. Ah, ok. Ah, ah. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, attends. Item. Ah. Alors. Non, merde, t'es droit. Elle est marquée. Alors, droite, gauche, haut, gauche, haut, droite. Alors. Ok, donc, on la refait. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Ensuite, c'était haut. Haut, gauche, haut, droite, ok. Donc. Haut. Gauche. Haut. Droite. Ah là là, c'était très difficile. La truc sacré. La forêt brûlée. Miam. Ça a l'air incroyable. Bon, pour l'instant. Oui. Bonjour, monsieur. Ah, mon dieu, c'était un ennemi. Trois petits points apparaissent. Je fight. Waouh, je sais pas qu'est-ce que c'était, mais c'était. Et j'ai gagné des rubis. Une petite souris. Si je veux pas contre la souris, je me rigole. Un rat. Ouais, par contre, si tu me dis que le rat il a 14 milliards de points de vie, c'est. Je me pose des questions à ce moment-là. La forêt brûlée. Hein? Oh, les coffres. Plein de coffres. Plein de coffres. Yeah, 100 rubis. Ah, problème de son. Une potion rouge. Ah, c'est quoi? C'est quoi ça? Les Skullwoods passent à travers la forêt. Je trouve un rubis. Il y avait un rubis par terre. Why not? Les bois. Ah oui, c'était caché là. J'ai pas vu. La forêt brûlée. Toujours. Et un individu suspect. Suspicieux est là. De la suspiciosité. Et la même eux, elle décède. Enfin, elle boit. Voilà, il faut chialer, je crois. Alors. Ah, là, il y a un caillou que je peux déplacer. Et là, il y a un... Oula. C'est un orque. J'aurais peut-être pas dû. Alors ça, si c'est pas une image complètement détourée de Breath of the Wild, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. J'ai la... Ouais, j'ai la clé du château. Enfin, de la porte. Ok. Monsieur Bouzure. Bonjour. Je vois pas beaucoup de l'image familier, enfin de visage familier. Tout va bien. La forêt d'os. C'est juste réveillé. Maintenant, ça sonne un peu flippant, mais c'est vraiment incroyable de trouver des animaux. Je vais t'en prendre 3. Je vais pas te sceller énormément de choses parce que j'ai rien. Bon, random marchand. Et ça va agir comme un donjon classique à partir de là. Ah oui, ok. C'est un peu flippant. Je tiens à le dire. Et là, il y a un trou. Est-ce que c'était voulu? Hey. Je sais pas, mais j'ai tenté. Oula, au secours, au secours, help me. Ah, mais attention. Voilà, bon, attaque, tout ça, incroyable. Merci beaucoup, tu m'as sauvé. Prends cette récompense, j'obtiens un caillou étrange.
Viens, tout le monde aurait pour toi être là. Mais c'est un secret pour tout le monde, d'accord? Mais tu es quoi, bordel de merde? Garde ce secret, merci beaucoup. Il t'aime. Non, reviens. Un caillou en or. Du truc d'écu. La Burn Forest, Deku Place, là-bas. Ah non, le Deku Palace. Temple de Hyrule. Hyrule. Je peux aller au temple d'Hyrule. Graveyard, ça doit être le cimetière. Yes, on aime le cimetière. J'aime ça, le cimetière, gagné. Tu ne peux pas aller à l'intérieur. Ok, bah tant pis. Oh, ça fait quoi? Ça fait 25 minutes déjà? Pour le moment, j'ai une vague idée de ce que ça peut être et je suis un peu impressionné du résultat que ça rend sur Game Maker. Enfin, je dis Game Maker, mais ça doit être plus RPG Maker. Mais pour le moment, ça va. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux? Ah, je suis fatigué, mon pauvre prince est parti. Il a été attrapé par un homme avec une veste. Il l'a kidnappé vers l'océan de temple, pas loin d'ici. Tu veux m'aider? Ah, tu as une épée, tu dois être capable de me le ramener. Va au graveyard. Et c'est ma garde, peut y aller. Give me this. Si je trouve le gardien, donne-lui ça. Alors par contre, le dash s'active une fois sur 10. Enfin, peut-être pas une fois sur 10, mais une fois sur 4. Ce qui est pas super agréable. Voilà, genre là, je peux pas l'activer. C'est désagréable. C'est très désagréable. Ah, tu ne peux pas aller ici. Une lettre du roi. Ok, tu peux y aller. Miam, miam, miam. C'est une pierre tombale. Ouais. C'est une pierre tombale. Tombale. Une pierre tombale. Qu'est-ce que c'est ? Il y a de la dirt, de la terre, sur le dessus de le grave. Tu as obtenu la clé incroyable. La clé du temple. Oh mon dieu, mais qui es-tu ? Link, je suis ravi de te rencontrer. Qui je suis? Je suis le prêtre qui protège le temple de Hyrule. Tu dis que tu as été envoyé ici? Ça, c'est seulement je pourrais me remémorer où était ma clé. Ah, tu l'as. Tu as entendu à propos de la princesse. Tu es ici pour elle. Enfin, c'est pour ça que tu es ici. Je me souviens d'un homme avec un manteau qui disait ça au roi Tiku derrière lui. Ah, mais où ai-je pu mettre cette clé? Save. Ah, merci d'avoir joué à ma démo. Ah bah c'est fini. Et bah voilà, c'était la démo. Du coup, ce que je vous propose, c'est que moi cette démo, je la trouve plutôt cool, plutôt stylée. J'attends de voir ce que va être le résultat final. Mais j'en pars avec un très bon souvenir et je pense que ça va être sympathique. Du coup, j'espère que cette vidéo fan game vous aura plu. Si vous avez des fan games intéressants à me conseiller, je vous invite à les mettre en commentaire. Ça pourrait être sympa de découvrir d'autres jeux comme celui-ci. Un jeu plein de micro. Alors, pas forcément du Zelda parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a aussi beaucoup sur Mario. Sur des jeux Nintendo, il y en a énormément. Mais proposez, peut-être que ce sera intéressant. Vous pouvez aussi, si vous avez aimé la vidéo, mettre un pouce vers le haut, vers le bas, comme vous le sentez. Si vous avez déjà joué au jeu, eh ben, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos qui arriveront, notamment pas mal de Upload Justice en ce moment et en préparation, plein d'autres trucs qui arriveront. Je suis sur Twitter et il y a un Discord dans la description. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour d'autres vidéos.